Bonjour, bienvenue. Je suis Isabelle, la directrice du cinéma Le Grand Action. Et quelle joie, quel bonheur de vous accueillir à l'occasion de la projection exceptionnelle de Pas de quartier, réalisée par Paul Vecchiali, en présence de notre ami Eric. Merci. En présence de Paul Vecchiali. Alors là, tonnerre d'applaudissements. Alors. Je vais raconter une petite histoire. Une quinzaine de réalisateurs, quand ils sont entrés, il y a eu 15 minutes d'applaudissements à la fin du film et plus personne à la salle. On a fermé les portes à clé, Paul, tout le monde va rester. Alors, en présence de Paul Vecchiali, dans la salle. Vecchiali. La salle Vecchiali, la salle Paul Vecchiali. Absolument. Oui. Alors, ceux d'entre vous, les grands fidèles qui suivent cette journée Paul Vecchiali, m'ont entendu dire de séance en séance pourquoi j'avais donné le nom de ma troisième salle. Avec l'accord d'Alexandre, mon associé ici présent, et de Ruben, qui est en projection, et de toute l'équipe du Contraction, parce que toute l'équipe du Contraction est un fan absolu de ta filmographie. Et au-delà, et de Victor, qui est avec nous par le français, cette place est libre. Excuse-moi, quelqu'un a oublié un second. Non, c'est moi, c'est le mien. Ah, c'est bien, vous pouvez le mettre au-delà de l'admiration qu'on a pour ton œuvre, ta filmographie, c'est ton parcours en toute indépendance qui nous a guidés dans le choix de ce nom. Pour moi, c'était une évidence. Paul, depuis que je te connais, je t'ai connu en 2015 avec Mille planches sur la jetée, et ta détermination m'a toujours éblouie. J'admire et j'aime la famille informelle dont tu es entouré. Et je pense que là, c'est le moment de les appeler, non? Oui. Nous en avons quelques membres éminents ce soir. Monsieur Jérôme Soumeron. Bravo. Et moi-même. Donc, Paul, Pas de quartier, c'est ton dernier film. Nous l'avons sorti au mois de mai, au Grand Action. Et donc, nous allons voir à l'écran, voir et entendre Jérôme et Hugo. Un petit mot sur Pas de quartier, sur la genèse du projet. Comme d'habitude, j'ai travaillé 8 mois tout seul. Parce que les gens, les critiques imbéciles, écrivent que je fais des films avec 4 bouts de chandelle. Mais moi, je ne suis jamais payé dans mes films. Jamais. Ni comme producteur, ni comme directeur de production, ni comme réalisateur, ni comme monteur. Je veux que l'argent aille au film et aux gens qui vont travailler dessus. C'est 4. Sauf à la télévision, où je demandais toujours le double de ce qu'on me proposait. Et c'est là que j'ai eu ma retraite. Ou les films de commande. J'ai fait des films de commande importants, et là, évidemment, je prenais des sous. Mais les films de cinéma, jamais. Jamais, jamais, jamais. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. J'ai travaillé 8 mois tout seul, tu as dit. Oui, j'ai travaillé 8 mois tout seul, et les gens ne comprennent pas que si c'était produit par Gaumont, il y aurait 15 personnes à travailler pendant 8 mois, avec des charges sociales payées. Donc il faut ajouter tout ça au bout du film. Après, je tourne en 8 jours. Le film-là, il est tourné en 8 jours. C'est parce que j'ai travaillé. Mais les réalisateurs de Gaumont, ils ne travaillent pas en amont beaucoup. Ils attendent, et puis ils se disputent avec des trucs. Enfin, bon. Il y a plein de hors-champs chez nous, ils sont témoins.
quand on arrive le matin, le PAT, comme on dit, le point tourné, c'est un quart d'heure après. Et chez la plupart des réalisateurs, c'est 2 heures ou 3 heures. Parce que, où est-ce que je mets Projo, où est-ce que je mets... Nous, ils sont témoins. Hein. C'est pas ça. Moi, je prépare énormément, parce que, d'abord, je pense que la rapidité est un dopage pour les comédiens. Et que, à 90% à 90% la première prise est la meilleure. Après, ils s'écoutent parler un peu. Ils se disent, qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être ça va mieux. Alors, je trouve que, voilà, la première prise, il arrive. Pour ceux qui ont vu tout à l'heure, c'est l'amour, que ça se passe comme ça, avec la... comment elle s'appelle, mon Dieu, Marie Roussel, qui fait la jante. Bon, c'était pas pareil, parce que c'était tellement difficile, en plein séquence. Je lui ai rien dit, je l'ai laissé faire 2 prises. Et après, je suis allé lui dire à l'oreille, lâche-toi. C'est tout. Et on a vu le résultat, elle est époustouflante. Elle n'osait pas. Elle n'osait pas, et là, elle s'est lâchée, et c'est incroyable. Sinon, je ne sais pas, peut-être les acteurs peuvent dire quelque chose sur la direction d'acteur. Mais et comment? Et puis alors, on va aussi saluer quelque chose. Nous sommes le 30 septembre 2022, comme ça ne nous a pas échappé. Et un 30 septembre lointain, il y a 86 ans. 1936. Tu as déclaré à ta maman que tu voulais faire du cinéma. Voilà. Tu as déclaré ça un 30 septembre 1936. Et, et par hasard, ce Paul est avec nous ce 30 septembre. Donc c'est vraiment magique. Ah, bah oui. Ouais, c'est magique. Alors, Jérôme, tourner avec Paul, toi qui connais bien l'œuvre de Paul, hein, qui est attaché, raconte-nous. Ah bah c'est magique, mais c'est un magicien, c'est un peu dangereux, hein, parce qu'on est sous hypnose en fait. On est complètement sous hypnose, on n'est absolument pas conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on... Mais à la fin de chaque prise, il est là, il nous voit, il fait comme ça. Le plus gros geste de direction d'acteur que tu fasses, c'est ça. Sinon ça se passe dans les yeux et on est vraiment sous hypnose, on sait pas du tout. En plus la plupart du temps il n'y a qu'une prise, voilà, vous allez voir, moi je danse sur scène en une prise. Et puis forcément on avait répété avant, mais évidemment la veille ou l'avant-veille, mais évidemment sans les costumes, sans l'hémoglobine et tout ça, et rien ne se passe comme c'était prévu. C'est vraiment... Et c'est ça qu'il cherche, cette espèce de fragilité, de fil, quoi. Et là en plus vous allez voir un film pire en des liens. Donc en plus c'est même pas des acteurs que vous allez voir, c'est des personnages, enfin je sais plus, ou des acteurs ou qui jouent des personnages mais qui sont pas des personnages, bon bref, donc il flirte comme ça sur des crêtes qui sont hallucinantes. Et cette année j'ai écrit un livre sur l'œuvre de Paul, donc je l'ai vraiment épluché, j'ai vu 4-5 fois chacun de ses films et c'est prodigieux. Tu veux bien te boucher les oreilles? Voilà, et moi j'ai découvert sans doute l'œuvre la plus singulière du cinéma mondial. Il y a des grands cinéastes dans le monde, c'est sûr, mais il y en a peu qui ont été totalement indépendants et qui ont fait que des ovnis, quoi. Ça, vraiment, je peux vous dire que c'est voilà. Et là, c'est un peu une quintessence de. Je trouve ce film-là est un peu une quintessence du cinéma de Paul. C'est quelque chose de. C'est d'une radicalité totale et affirmée. Et c'est sublime, voilà, je laisse. Merci beaucoup Jérôme. Merci. Et comme vous savez, c'est un film parlé et chanté, n'est-ce pas Hugo? Oui. Oui, quel cadeau tu m'as fait. En effet, moi je n'avais plus qu'à être digne de le recevoir et ensuite au lieu d'avis, 9 jours, 3 heures de répétition avec les danseuses, une journée pour tourner tous les numéros de cabaret, mais évidemment, bien sûr, oui, un grand oui, je t'ai dit, et c'est du bonheur. C'est l'heure, c'est ça? C'est l'heure. C'est l'heure, alors, Paul, tu m'as demandé de chanter une chanson avant. Oui, voilà. Il y a une ouverture de Pat Cartier, une chanson que j'ai demandé à Hugo de l'interpréter, vous allez très vite savoir pourquoi.
dès les premiers plans. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement, rue Sarrazate. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de canarie et une chatte. Pour laisser maman reposer très souvent, je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave, j'essuie. À l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur. Je suis un peu décorateur, un peu styliste. Mais mon vrai métier, c'est la nuit que je l'exerce travesti. Je suis artiste. J'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégral après striptease. Et dans la salle, je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homo, comme ils disent. Vers les 3 heures du matin, on va manger entre copains de tous les sexes. Dans un quelconque bar tabac, là, on sent des vainqueurs joie et sans complexe. On déballe des vérités sur des gens qu'on a dans le nez. On les lapide, mais on le fait avec humour, enrobé dans des calembours mouillés d'acide. On rencontre des attardés qui pourraient pâter leur tablé. Marche et ondule, Saint-Jean, ce qu'il croit être nous, mais se couvre les pauvres fous de ridicule. Ça gesticule et parle fort, ça joue les divas, les ténors de la bêtise. Moi, les nazis, les colibets me laissent froid, puisque c'est vrai, je suis un homo, comme ils disent. À l'heure où naît un jour nouveau, je rentre retrouver mon lot de solitude. Je te mes cils et mes cheveux comme un pauvre clone malheureux de lassitude. Je me couche mais ne dors pas, je pense à mes amours sans joie, si dérisoires. À ce garçon beau comme un dieu qui sans rien faire a mis le feu à ma mémoire. Ma bouche n'osera jamais lui avouer mon doux secret, mon tendre drame, car l'objet de mes tous mes tourments passe le plus clair de son temps au lit des femmes. Nul n'a le droit, en vérité, de le blâmer, de me juger. Et je précise que c'est bien la nature qui est seule responsable si je suis un homme. Ou, oh, comme ils disent. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. En plus, là, sans musique. Il a fait une recherche à la hein. Bravo. Hugo, c'était sublime. Ah oui. Sublime. Quel moment exceptionnel. L'assaut cinéma. Tu restes sur le film ? Oui. D'accord.